science ou la culture servent en fait de lien diplomatique entre deux pays. C'est une vieille tradition française. Ici, on a 15 sites, mais il faut savoir qu'on travaille sur une dizaine de sites dont les âges vont entre 4,5 millions d'années et 0,9 millions d'années. Alors ce site, on cherche surtout la faune, parce que ça va nous permettre de reconstituer l'environnement passé, ce qui va nous permettre de savoir un peu comment était le contexte pour l'évolution de l'homme. On conduit des recherches en Afrique du Sud, en océanographie, parce que c'est une région très intéressante. C'est le point de rencontre de trois océans, donc l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Antarctique. Et donc autour de l'Afrique du Sud, on a énormément de systèmes variés et généralement très riches en termes de production de poissons, qui est un élément essentiel pour les ressources de l'Afrique du Sud. Dans la problématique un peu des changements globaux, actuellement, on se rend compte que dans certaines zones du monde, on a des apparitions qui peuvent être plus soutenues, plus importantes de méduses. Donc on essaye de comprendre quels sont les facteurs qui vont favoriser leur présence. C'est étroitement lié avec le travail que font mes autres collègues dans le cadre du laboratoire ICMASA, tous les travaux de courantologie. Les méduses sont du plancton, donc elles vont se déplacer avec les courants. Un des outils privilégiés du programme est l'utilisation de la modélisation. Donc on utilise de la modélisation océanique pour comprendre comment fonctionnent les courants, comment fonctionne la température et comment est-ce que cela va changer dans un contexte de réchauffement climatique. Il y a une grosse demande du gouvernement sud-africain, c'est de former les étudiants sud-africains parce qu'il y a un manque de générationnel. Et là, on a les chercheurs français ont vraiment un rôle important parce qu'on fait bénéficier ce pays de nos connaissances et de notre savoir-faire. Je viens deux fois par an ici, c'est un projet qui est en fait un double financement. D'une part, un financement du ministère des Affaires étrangères via la commission des fouilles à l'étranger, des fouilles archéologiques à l'étranger, qui donne une grande partie du financement. Après, l'autre financement vient du CNRS et de la NRF, NRF étant l'associé du CNRS en Afrique du Sud. ICMASA est un programme d'échange entre la France et l'Afrique du Sud. Donc c'est un laboratoire mixte international. ICMASA a mis au point un système de double diplôme entre l'Université de Brest et l'Université de Cape Town au niveau master, mais aussi au niveau doctorat. On a eu 26 étudiants en thèse qui seront tous diplômés d'ici la fin du programme à la fin de 2018. Je tiens toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui est de ce Sud-Africain dans la détention du permis de fouille, parce qu'il faut avoir des permis de fouille, c'est important, sinon on ne peut pas travailler. C'est first black South African core permit holder in the Cradle of Humankind. I went to France in 2009, went to the Museum of National History in Paris and CNRS, and I learned how to do casting and chemical preparation. And from Paris, I learned how to do quality. I have to share the experience with my colleagues at my department. And I benefit too of the experience because that Lars work on many, many sites in Cradle of Humankind, and all the sites are different. So it's nice because we speak about what we excavate, how we excavate, because we need to adapt the things. On a fait un premier tamisage à sec, puisqu'on n'a pas d'eau ici. Et on ramène ça au musée, il continue le travail sur place avec une autre collègue sud-africaine. Noni, je l'ai eue en post-doc. On a eu des financements pour qu'elle puisse se former et maintenant je suis heureux parce que cette année, elle a un poste définitif à l'université de Johannesburg. Point Pic a besoin aussi de compétences. Ça y est, c'est en train de se passer, le relais se passe. In 2016 and earlier this year, I went to Paris. So in 2016, I was there just to study their fossil reptiles, and I was fortunate enough to meet two other experts. And this year, I was able to go attend a conference. It's uncommon for South African, especially black women, to be in paleontology or archaeology. I can say I'm the second woman in South Africa in paleontology who is qualified with a PhD. Most of them are still doing their honors, masters and PhD, but I'm the second with a postdoc. So it's not easy.
But we're trying to change that. We're trying to change the face of the discipline to show everyone else back home that you also can do it. Alors, le laboratoire de préparation qu'on a mis en place, c'est en fait un laboratoire qui est unique en Afrique, puisque c'est le plus grand pour la préparation à l'acide, et aussi par la présence de Lazarus, qui est aussi un des 10 meilleurs préparateurs mondiaux. Le laboratoire général, parce qu'il y a le laboratoire de recherche, qui est ici le HRU, et le laboratoire de préparation, ont été en grande partie financés par la France, via plusieurs financements, le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le CNRS, et aussi des fonds sud-africains. C'est ces fonds qui nous ont permis de mettre en place ce laboratoire, d'acheter du matériel, mais il y a aussi des échanges d'idées, de compétences scientifiques, professionnelles, et ce qui est important dans une collaboration. Il y a une équipe derrière qui regroupe pratiquement une vingtaine de personnes. C'est une équipe internationale, mais la grosse composante, bien sûr, c'est France, Afrique du Sud. Et bien sûr, le troisième volet, qu'on va dire un petit peu, c'est la formation. Alors ça, c'est un truc qu'on est en train de travailler. On a mis en place un chantier école sur place à Bolsfarm avec des étudiants. Et petit à petit, ces étudiants viendront aussi étudier le matériel ici et vont apprendre à le préparer, à le nettoyer, à le cataloguer. La recherche en Afrique du Sud est très solide, bien équipée. Il manque parfois de personnel, mais ils veulent rester tout le temps maîtres de leur recherche et être au point et les premiers dans les différentes disciplines. Les universités sont extrêmement bien classées ici, donc on est à un niveau de recherche qui est relativement similaire à celui qu'on trouve en France.